Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une plateforme de NFT qui s'appelle TetaDrop. Pour ceux qui avaient regardé ma vidéo à l'époque sur Teta TV, donc c'est les mêmes créateurs qui ont fait les deux, vous pouvez regarder la suite, ce que je vais dire ensuite. Sinon pour les autres, vous pouvez passer directement au timecode qu'il y a dans la description de la présentation TetaDrop. Donc pour ceux qui avaient regardé la vidéo de Teta TV et qui s'étaient un peu vestis dedans, qui avaient un peu regardé des streams, je vous rappelle un peu ce que c'était. Teta TV, c'était une plateforme de streaming, donc tout comme Twitch, sur lesquels vous pouvez regarder des streams et gagner une monnaie qui s'appelait le T-Fuel. Donc T-Fuel, c'est une crypto-monnaie, la monnaie de Teta. Donc une des monnaies de l'écosystème Teta. Pardon. Donc moi, par exemple, là, j'en ai 192. Bim, voilà. Et si à l'époque, vous aviez miné, entre guillemets, vous avez eu les récompenses anti-fuel, vous pouvez désormais les transférer à TetaDrop, donc cette plateforme de NFT donc, que je vais présenter tout de suite. Donc voilà, vous devez vous connecter avec un compte TetaDrop, donc il faut vous enregistrer. Et vous pouvez transférer vos T-Fuel, donc 400 par jour. Donc voilà, ça fait à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une soixantaine d'euros, 192 T-Fuel, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la plateforme TetaDrop. Donc TetaDrop, c'est une plateforme de NFT, donc de vente et de revente de NFT. Vous ne pouvez pas créer de NFT pour le moment, mais c'est une caractéristique qui viendra sûrement par la suite. Donc pour le moment, c'est que des projets qui sont postés. Enfin, vous devez faire une candidature pour poster votre projet sur le site. Et donc, je vous montre un peu la marketplace. Donc voilà, on a les projets qui sont présentés dans la page d'accueil. Enfin, les drops qui sont présentés dans la page d'accueil. Je vais vous expliquer un peu après comment ça fonctionne, les drops. Donc la marketplace, donc on a des créateurs assez connus, notamment Katy Perry, voilà, qui ont fait leur NFT. Donc voilà, on peut voir les prix des NFT. Après, on a des projets avec World Poker Tour, qui est assez connu notamment. Après, on a d'autres projets actuels qui sont assez... qui se font un peu parler d'eux. Donc notamment, on a, si je retrouve... On a Secret Pineapple Society. Donc ça, c'est un projet, c'est le projet qui est le plus connu entre guillemets sur Teta Drop. Donc avec un floor à 640$, c'est voilà, c'est ça, je vais montrer un peu. Voilà, ça fait un peu penser au Ape. Enfin, voilà, c'est le même style de NFT, sauf que voilà, ça a son propre style. Donc voilà, avec un conteneur avec le floor à 1774$, donc voilà, c'est déjà pas mal. On a un autre projet également, c'est Passaways. Donc c'est des petits NFT comme ça, et en ce moment, ils ont pas mal de projets, eux, cette communauté Passaways, avec notamment un NFT qui a une utilité. Donc vous avez une petite... par exemple, je vais vous montrer un peu. Donc ça, c'est ma collection. Passaways, hop. Explore Utility, donc ils ont une page web sur laquelle on peut se connecter, avec une page de membres, un Discord actif, avec des drops exclusifs pour ceux qui ont des NFT. Donc voilà, je vais montrer un peu les drops, comment ça fonctionne. Donc les drops, il n'y en a pas actuellement, mais par exemple, si je vous montre un ancien drop, donc ça c'est Tygons. Donc voilà, vous pouvez vous enregistrer dans une file d'attente. Et vous pouvez également précommander le NFT, mais vous n'êtes pas sûr de l'avoir. En fait, une fois que le drop aura commencé, vous allez être mis dans une place aléatoire dans la file d'attente. Et si votre place est trop éloignée du nombre, par exemple là, il y en a 777, si vous êtes trop éloigné du nombre de NFT disponibles, vous ne pourrez pas acheter de NFT. Et ce sera ceux qui ont les places avant vous qui l'auront. Donc c'est un peu random, mais après, ça c'est pour dans le cas où on va l'avoir au prix de vente. Au prix de vente initial, mais après vous pouvez très bien acheter ça dans le market. Évidemment, c'est plus cher, vous en doutez, en fonction de la hype du projet, les prix de revente vont être plus chers. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à montrer sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui a du potentiel, parce que c'est encore en version bêta, voilà, vous pouvez le voir dans le titre, et il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver par la suite, mais pour le moment, en tout cas, vis-à-vis des projets qui ont déjà été postés et la hype, notamment sur Discord, qu'il peut y avoir, ou des projets qui vont arriver. Voilà, on a Party Poker, on avait Tygons, etc. Ça a du potentiel. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai
notamment mon lien d'affiliation pour Theta TV, si ça vous intéresse, notamment d'avoir des petites récompenses en Theta, enfin anti-fuel, pardon, pour qu'après vous pourriez les transférer sur ce site. Je vous invite à regarder le début de la vidéo, à regarder mon ancienne vidéo que j'ai faite sur Theta TV, pour que vous sachiez un peu à ce que c'est. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a montré sur ce site de NFT. N'hésitez pas à vous inscrire, à regarder, peut-être pas, enfin vous pouvez, si vous vraiment vous intéressez au NFT, je trouve que c'est pas mal, cette plateforme a du potentiel. Et autre chose importante à savoir, c'est que il n'y a pas de frais sur les transactions. Donc par exemple, si vous voulez acheter un NFT sur le store, en gros, vous n'aurez pas de frais de Theta Drop, mais uniquement des frais, les frais de minage de gaz, ce qu'on appelle, comme sur Ethereum, mais ils sont très faibles. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles. C'est négligeable par rapport à OpenSea ou l'écosystème Ethereum. Donc voilà, c'est tout ce que... Voilà, je vais finir la vidéo en montrant ma collection. Hop. Et voilà. J'essaye d'avoir un peu tous les drops qui sortent récemment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur le monde des NFT et des cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous laisse. A plus au monde. Ciao.